Mais Vikash, moi j'ai un joueur comme Mbappé. Moi je suis entraîneur. Non, mais je suis entraîneur. Non, mais en tant qu'entraîneur, moi je suis un joueur comme Mbappé. Mais défends non, pas. Ça, c'est un... Mais pas besoin de défendre. Moi c'est lui qui marque des buts, moi. Faire gagner les matchs. Allez, on fait participer. On fait participer nos abonnés au débat de ce soir. Flavien Bory, les premières réactions. Alors, les premières réactions, pour la plupart des abonnés, la réponse est oui, c'est le bon timing. Molo Eric d'Abidjan, il est sur la ligne de Serge Akpo. Oui, pour moi, il n'y a pas vraiment de bon timing quand un joueur comme Mbappé décide de quitter le PSG, mais il a bien fait de prévenir la direction pour qu'elle puisse prendre le temps de se retourner. Et Aboubakar Habibou de Niamey, lui, il fait confiance totale en le professionnalisme de Mbappé. Il va maintenant se concentrer sur le foot et essayer de tout faire pour amener cette Ligue des Champions avant de quitter Paris. C'est un grand compétiteur. Et voilà, on prend une dernière réaction à ce sujet de Nabil Djellit. On ne vous a pas encore entendu là-dessus. Qu'est-ce qu'on aurait dit de lui s'il avait encore fait mijoter tout le monde pendant X temps? Alors qu'il y a les gens en avaient marre. Non, mais même pour lui, je veux dire, c'est intenable. D'être taxé de mercenaire, de gars qui jouent sur deux tableaux. Est-ce que c'est l'ultimatum du Real Madrid qui a pesé? Parce qu'on sait que pendant longtemps, il ne voulait pas se faire dicter. Il voulait vraiment avoir son temps, l'annoncer. Mais le fait que le Real Madrid ait annoncé, dit, nous, mi-janvier, on doit être fixé. Est-ce que ça a joué? Oui, je pense que ça a joué, clairement. Effectivement, il s'est positionné. Donc après, c'est des circonstances qui ont fait que tout le monde s'y retrouvait, un point de convergence entre tous les intérêts. Mais moi, je trouve que de toute façon, il n'y a pas de bon timing pour le PSG de savoir que leur meilleur joueur part et il part libre. Ça, il ne faut pas l'oublier parce que je veux bien qu'il ait consenti quelques efforts financiers pour leur permettre d'amortir le choc. Mais in fine, moi, je vais terminer là-dessus. Si par exemple, à 24-25 ans, on te dit que Lionel Messi va quitter le FC Barcelone libre. Qu'est-ce qu'on dirait du FC Barcelone et qu'est-ce que ça sous-entendrait? Et si on disait, par exemple, bon, même s'il n'a pas la même histoire, mais je sais pas, Cristiano Ronaldo à 28 ans, il prolonge pas, il s'en va libre du Real Madrid. Qu'est-ce qu'on dirait? Donc pour le Paris Saint-Germain, quelque part, même si leur histoire va continuer, ça valide quand même un échec. Parce que s'ils sont aussi costauds que le Real, s'ils sont aussi costauds que le Barça des grandes séquences ou de Liverpool, un joueur comme ça, il part jamais libre. Flavien Bory, le résultat du sondage sur cette question. Annonce du départ de Mbappé, était-ce le bon timing? 76% des abonnés pensent que oui, contre 24% de non. Est-ce que Kylian Mbappé est injuste avec le PSG? Est-ce que Kylian est vraiment injuste avec le PSG? C'est la question qu'on va essayer de répondre dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian. On va également parler du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, si le contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, est-ce que Kylian Mbappé est injuste avec le PSG? Parce que lorsque tu regardes, c'est quand même le PSG qui a pris Kylian de Monaco. C'est le PSG, entre guillemets, qui a fabriqué Kylian. C'est le PSG qui l'a pris de Monaco. Certes, à Monaco, c'était un jeune prometteur, mais ce n'était pas encore un joueur confirmé. C'est le PSG qui a rendu Kylian Mbappé joueur confirmé. C'est le PSG qui l'a rendu un joueur confirmé. À Monaco, il a fait 6 mois à Monaco, 6 mois de très très haut niveau, 6 mois. Et on sait tous que lorsque tu prends un joueur qui a seulement prouvé 6 mois, c'est un risque. Combien de joueurs ont fait 6 mois de grande qualité ensuite? On n'a plus jamais entendu parler de ces joueurs. Je pense notamment à Bojan Krkić. Pour ceux qui s'en souviennent, Bojan Krkić, pardon, c'est un jeune talent, un jeune qui était prometteur et tout, c'est un jeune qui avait beaucoup de qualités. Mais sauf que il n'a pas confirmé derrière. Donc, moi je pense aussi que les amis, certes, Kylian ne s'est pas très bien comporté avec le PSG parce que partir gratuitement pour un garçon de 25 ans avec autant de talent, pour moi, ça fait un peu tâche chez Kylian Mbappé. Mais après ça aussi, tu peux aussi te dire que le club a mal géré cette affaire parce que, souvenez-vous, en 2022, Kylian Mbappé était sous contrat avec le PSG. Le PSG avait la possibilité de le vendre au Real Madrid, sauf qu'ils ne l'ont pas fait. Le PSG a décidé de garder Kylian. Donc, moi, je pense que les deux parties aussi, ils ne sont pas clairs dans cette affaire. Mais moi, je pense que le PSG a plus vraiment fait des conneries dans cette affaire que Kylian Mbappé. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent que non, Kylian peut prolonger
Ainsi, le PSG le vend peut-être au Real Madrid. Comme ça, le PSG récupère l'argent sur Kylian. Mais qu'est-ce qui vous garantit que si Kylian prolonge avec le PSG, qu'est-ce qui vous garantit que le PSG ne le bloquera pas? Parce qu'une fois que tu as prolongé là, tu deviens la propriété du club. Hein? Le club décide de te vendre ou pas. Le club décide de te vendre ou pas. Donc, une fois que tu as prolongé, tu deviens la propriété du club. Sauf si, dans la prolongation, ils mettent une clause. Genre, si le club vient peut-être avec 70 millions d'euros, le PSG doit laisser partir Kylian. Ils doivent mettre une clause, max peut-être de 70 millions d'euros. Que si un club vient à partir de 70 millions d'euros, il laisse Kylian. Une clause libératoire. S'il n'y a pas ça, moi, je suis sûr que le PSG va bloquer Kylian. Parce que ce club-là est prêt à tout. Pour garder Kylian, ils sont prêts à tout. Il n'a qu'à voir les salaires qu'ils proposent, les salaires que ces gens proposent à Kylian. Il faut voir le salaire qu'on propose à Kylian. Donc ça dit tout, ça dit tout. Donc ils sont prêts à garder Kylian. Moi je suis pas sûr que si Kylian prolonge, il va quitter le PSG. Donc la seule manière de partir du PSG, c'est entre guillemets de partir gratuitement, parce que le PSG ne va jamais vendre Kylian. La preuve, ils ont eu la possibilité de vendre Kylian en 2022, ils ne l'ont pas fait. Ils ont eu la possibilité de vendre Kylian en 2022, ils n'ont pas vendu Kylian. Et vous pensez que c'est maintenant qu'ils vont accepter de vendre Kylian? Vous y pensez vraiment? Vous y pensez vraiment? Donc moi je pense que dans cette affaire, les deux ont vraiment, ils ont mal géré l'affaire, mais plus le PSG quand même. Plus le PSG, parce que Kylian a essayé de partir en laissant de l'argent au PSG. La preuve, il a dit ses primes, il ne touchera pas ses primes. Et il y a encore des rumeurs qui disent même que sa prime est la signature, il va reverser cette prime au PSG. Donc ça montre à quel point il a envie de se rattraper, il n'a pas envie de partir gratuitement, entre guillemets. Donc, moi je pense que Kylian a la volonté de laisser l'argent au PSG, mais le PSG ne veut pas vendre Kylian. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Entre nous, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il a aussi sa carrière à défendre. Il a 25 ans, il n'a pas encore de LDC, il n'a pas encore de Ligue des Champions. Donc, c'est vraiment très compliqué. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Si ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao!